Et maintenant, écoutons un message de Son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général Délégué Gaetanovich Legarnistov, en campagne pour sa 5e réélection à la tête du Parti unique et éternel de la gloire et de la joie de la canale. Chers camarades de la CASHA, si je me présente aujourd'hui encore pour ma 5e réélection à vie en tant que délégué de cette merveilleuse classe, c'est quand j'aime voir dans vos yeux cette étincelle qui ne faiblit jamais, malgré la difficulté, la fatigue, les doutes, le travail, et surtout le deuxième concours blanc de février. Nous avons vécu ensemble des moments difficiles, je le reconnais. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais pu voir à quoi ressemblait le sourire de son prochain et encore moins celui des profs. Nous avons survécu aux pires épreuves, la dureté glaciale de l'hiver pendant les concours blancs, les déesses de lettres, et même McFly et Carlito avec Emmanuel Macron. Mais le soleil se lève toujours sur les blonds champs de la connaissance, et cette année est une période majeure pour nous tous. Vous, les carrés, vous pouvez être fiers d'être parvenus jusqu'ici. C'est maintenant que vont se construire les bases solides pour un futur radieux. Mais ce travail ne se fera pas sans péril. Je vous souhaite un très bon et sincère courage. Vous, les cubes, bonne chance. Partout dans le monde, l'appel de la CASHA résonne. Écoutez donc ces témoignages d'un peuple heureux. Depuis que je suis passé en CASHA, j'ai enfin trouvé un but à mon engagement militaire, patriotique et citoyen. Maintenant, je corrige les doutes des personnes qui s'opposent à la vision rayonnante de notre chef suprême, et ce, avec le sourire. En CASHA, nous cultivons tout aussi bien nos connaissances que les pommes de terre issues de notre terre extrêmement fertile et nourricière, des patates qui servent à la confection de notre délicieuse vodka. Si vous votez pour Gaëtan, vous n'aurez jamais faim. Le parti vous nourrira, contrairement à la cantine. Oui, bien sûr, exécutez-les. Alors, renouvelez votre confiance en moi et ensemble, travaillons à un monde meilleur, mais d'abord, travaillons tout court. Au revoir.